Ok, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur Idle Hero les gars, on est samedi, j'ai encore failli me tromper, pas comme si ça fait 10 fois que je refais l'intro, mais c'est pas grave, on va garder celle-là, donc on est samedi, oui, j'ai pas fait vendredi, je pouvais pas, donc on se retrouve là samedi, c'est pas très grave, il fait déjà 36 degrés les gars, et je viens juste d'allumer la lumière, donc là, autant te dire que d'ici 5 minutes, je crois que je cuis, j'ose pas mettre le ventilo parce que j'ai peur qu'il y ait du bruit, petit test, ah ça fait du bruit de ouf. Ça passe, ça, j'ai l'impression, non? Je pense que je pourrais enlever le bruit. Ou ouais, en rester comme ça, sinon on va avoir trop chaud, j'en pourrais plus. Donc j'espère que ça fera pas de bruit. Donc, mise à jour, j'ai pas vu grand chose. On a un petit event, on a la radio à faire parce que c'est terminé d'ailleurs. Hop, ça on va le voir direct. Donc c'était notre ami Eden. Donc grâce à toi, Eden, merci, on a gagné. Alors ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Je suis perdu. Non, objet, coffre, voilà, on a gagné ça. Donc là, on a 8,4% ou 8,3% d'avoir ces artefacts-là. Évidemment, ce qu'il me faudrait ici, en vrai, ça serait la couronne d'or. Et c'est un peu tout. Si j'ai lui, je peux le finir. Ou en vrai, ouais, lui pourrait me servir. Et encore une clochette, pourquoi pas. Mais ouais, ça peut-être, je sais pas. Je sais pas. Mais lui, clairement, me carrierait de ouf. Eden, c'est le moment de savoir si tu m'as carry ou pas. Attention, moment de vérité. On met la montre parce que là, pas tous les jours qu'on ouvre ça. Allez, 3, 2, 1. Oh. Bon. Il y a pire. Mais c'est pas trop ce qu'il nous faut. Je crois en plus qu'on l'a plusieurs fois. Mais on les avait vendus, on s'en était servi. Ouais, on en a deux. On en avait plus que ça, mais on les avait vendus. Donc, ok. Je pense qu'il y a pire en vrai. Hein. Parce que peut-être là, bon, pour l'instant, il n'est pas utile, mais il pourrait l'être dans l'avenir, on sait pas. Donc. Je n'ai normalement plus personne. Donc, si vous avez un compte ou quoi, n'hésitez pas à m'ajouter. Donc, le code est là. Hein. PIVF2MOT. Et je me ferai un plaisir d'accepter. Bon, la dernière fois, il y avait deux personnes. Donc, j'ai dû accepter la première. J'essaie clairement de faire au mieux. Et il y avait eu des questions la dernière fois, les gens ne comprenaient pas. Je pense que les nouveaux joueurs qui connaissent pas trop le truc. Pour pouvoir ajouter quelqu'un là-dedans, il faut que tu aies un compte avec déjà minimum le level 50. Donc, moi, là, tu vois, on est 366. Je sais pas si on voit bien là. Et que le compte soit pas actif depuis plus de 30 jours. Donc, c'est énorme. Hein. En gros, c'est pour inciter les gens, on va dire, à rejouer au jeu. Donc, du coup, il y a la technique de monter plusieurs comptes, au moins level 50. Avant, c'était 30, il me semble. Mais bref, level 50, voilà. Parce que c'est minimum level 50. Donc, tu montes level 50 et après, hop, tu AFK ton compte et tu ne l'utilises pas. Et comme ça, quand tu as une autre radio de collaboration là, qui arrive, bah, tu peux t'ajouter tes propres comptes. Donc, ça va un peu plus vite. Mais bref, voilà. Donc, si quelqu'un fait la demande, ça sera un plaisir. Et je le remercierai en vidéo, bien sûr. Donc, ça, on est bon. Maintenant, alors attends. Faut pas que j'oublie, je vais essayer de faire la campagne. Parce que la dernière fois, on s'était fait écraser. On est toujours 1-1. Alors que là maintenant, tu vois, on a d'autres persos. C'est pas ouf, je suis d'accord, mais on a 4 persos. Dont la Jara qui est montée, la dernière fois elle était pas montée. Bref, on testera ça. D'abord, on va voir l'événement qui est pas normalement trop long, c'est l'événement de D, on en a l'habitude. Donc, aventure diablotin, voilà, tranquillement. Donc ça a commencé hier, donc j'ai déjà 8 petits dés. Ensuite là, amulette vaudou, bim, c'est un truc campagne encore une fois. Hein. Donc ici, on va arriver dans les 2007 normalement, voilà. On va prendre encore une fois des petits parchemins, je pense que c'est pas trop mal. Et ça, on verra plutôt en fin de semaine, hein, c'est pas trop grave. Donc là, par contre, mission du refuge, on a des bons persos. Et attention, est-ce que là, bim, directement, on n'aurait pas préparé la vidéo? Et ouais, c'est ça qui est beau. Et là... Je me fais plaisir. Donc le Holmes, très fort. Surtout si tu commences le jeu, clairement, le perso tank, le perso fait des dégâts, le perso est très bien. En plus, il devient transcendé, donc pourquoi pas. Ensuite, Onkiri Maru, moi, je suis pas trop fan. Clairement, je n'ai encore vu aucune utilité à ce perso, à part le mettre en locataire dans les maisons, quoi. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une vraie utilité? Ça, je pense pas. Donc lui, je kiffe pas trop. Pareil un peu pour Gloria. J'ai pas trop vu à quoi elle servait vraiment, mais ok. Par contre, pour notre ami Waldeck, il est très bon, lui aussi, un peu comme Holmes. Hein. Ça fait des dégâts et c'est plutôt pas mal. Bon, on l'a pas trop utilisé et nous, on le mettait plus en locataire, mais ok. C'est un perso plus que correct, c'est très fort. Ici, notre Amenra, évidemment, mais bon, ça coûte 2000, ça rapporte pas de dés, donc on le fait absolument pas. Et notre Russell qu'on déteste, hein. Clairement, c'est le perso que j'ai monté parce qu'il fallait le monter à un moment parce que c'était super fort. Mais chez moi, je ne l'ai jamais trouvé fort, quoi. Je ne l'aime pas du tout. Les persos, il faut attendre, ça charge l'ulti, ton équipe a le temps de se faire défoncer, et quand il fait l'ulti, il est tout seul. Non, c'est pas du tout, j'aime pas. J'aime pas, mais dans les lights, malheureusement, alors pas qu'on n'a pas trop le choix, parce qu'il y a maintenant des persos assez forts. Mais bon, c'est pas ouf non plus. Hein. Je préfère, je pense, Eos, je pense que c'est un peu plus fort. Et en plus, c'est transcendé, donc c'est mieux. Donc voilà, là, attends, j'ai fait tout? Ok, on a tout validé. Donc là, niveau D, normalement, on est... Pas mal, ok, 28. Donc ça, d'accord. Ici, là, pareil, on l'a vu la dernière fois, voilà. Vous pouvez veiller le plus de héros possible, en tout cas, il faut avoir le plus de points. Donc très dur, hein, clairement. Mais j'ai vu qu'on avait, hop, ici, là, un petit truc gratuit. Donc vu que ça se cumule pas, malheureusement, ben, on va le faire. Hein. Donc on est en D presque partout, donc c'est cool. C'est déjà ça. Est-ce que j'aimerais une meilleure lettre? Oui, en vrai.
Quel perso mettre, j'en sais rien. J'ai bien envie de remettre Veza parce qu'elle est super forte et qu'actuellement elle me sert bien. Donc je vais essayer de faire ça. Allez les gars, attention. Je pourrais les faire après sur mes autres persos, mais je trouve que D c'est pas une assez bonne lettre. Quand tu commences à avoir du C ou quoi, d'accord, mais D c'est pas ouf. Je suis obligé de le faire. Allez, attention. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir le cœur aujourd'hui, les gars. Allez, en avant. C'est bien. Oh lolo. C'est bien ou pas? Attends, c'est énorme, j'ai jamais eu une lettre comme ça. Bon, par contre, 9% de soins, je sais pas si c'est ouf. Mais... Oh, nickel. Jamais... Ah, les gars, là, on se fait plaisir. Jamais une aussi grosse lettre. Donc, attends. Maintenant, on va lui mettre. Donc là, je fais changer. On fait ça. Remplacer, ça coûte 200. OK. Et là, clairement, on est pas mal, hein. On aurait pu avoir quoi? De l'armure, dégâts talent, précision, blocage, brise armure, dégâts sacrés, soins reçus. Là, on a mis soins, ça veut dire que elle fait plus de soins. OK. Et donc, normalement, on pourrait changer ce bonus-là, non? Ouais, avec les marteaux. Et là, on aurait quelque chose d'autre. Ok. Est-ce qu'il faudrait partir sur un truc genre dégâts talent, précision, blocage? Ouais, je sais pas trop. Après, est-ce qu'un marteau, c'est vraiment utile pour ça? Non, je pense plus que c'est plus pour le B. Pour avoir du critique, dégâts critiques, tout dépend du perso que t'as, quoi. Mais écoute, on est pas mal, hein. On a eu un peu de chance, là, je suis content, pour une fois. Que les lettres, depuis le début, c'était galère, hein. Donc, ok, on repart là-dessus. Bim, écoute, là, on a eu... Du coup, on a 10 points. Ah ouais! C'est tellement dommage que j'ai pas... Bon, après, on s'en fout de gagner ça, mais... Je suis pas loin, là. D'accord. Ça, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bah écoute, ça, normalement, j'ai pas regardé, mais... On va partir sur un truc comme ça. Là, bim. Ça va que j'ai pas mal de 6 étoiles. On va faire ça. Ah, j'en ai pas chez les verts. On peut créer... Ah oui, là, on peut créer plein de persos, là. Nickel. Donc, je recommence. Voilà. Ok, nickel. Donc, ça, on prend parce que la dernière fois, bah, c'était plutôt utile. Et est-ce qu'on tenterait pas du coup ça? Après, si on a du dé, ouais. On pourrait avoir le premier loot, je pense. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'il vaut mieux pas le garder pour une prochaine fois, pour si on peut les cumuler? On va les garder parce que là, on en a que 400. On va les garder pour essayer d'avoir un bon loot au final, tu vois. Bon, même pas ça. Mais limite ça, quoi. Faudrait arriver à 100. Bon, c'est très dur, mais tu vois, déjà, en un coup, j'ai eu 10. Si on se dit qu'en moyenne... Si on n'aura pas 10 à chaque fois, en moyenne, on aura peut-être 6. Ah, c'est pas beaucoup, 6, hein. Allez, même si on dit 7, il me faudrait genre 15 lancers, peut-être. Donc ça, ouais, il en faudrait 15. Là, on en a 4. Donc, je pense qu'on va essayer d'écho ça pour la prochaine fois, faire un... Bah, tout lancer, quoi, pour essayer d'avoir au moins un coffre. Donc, on va écho. Ensuite, ça, bon, ça, on s'en fout. Ça, c'est juste que c'est bientôt et il me reste à faire des 9 étoiles et des 6 étoiles. Ouais, 6 étoiles, je suis pas bien, hein. Donc, event, aventure du diablotin, 28D, c'est parti, c'est maintenant. Attention. Là, ça fait 2 fois ou 3 fois d'affilée que je n'ai pas de chance, je n'ai pas de super D direct. Donc, cette fois, ça va changer. Là, la roue est obligée de tourner, les gars. C'est obligé. Hop, voilà, directement. La roue est obligée de tourner, donc logiquement, ça devrait être une bonne série, là. Tu vois, je te... Voilà. Mais c'est sûr, c'est toujours comme ça. La roue tourne toujours, les gars. Dites-vous toujours ça. Même si ça met un peu de temps à arriver, ça arrive forcément. C'est des stats, hein. Donc, t'as beau faire des mauvaises séries, il y a forcément une bonne série qui va passer. Donc là, hop, j'en ai presque perdu l'habitude de faire ça. Voilà. Oh, le régal, le régal. Là, on se fait plaisir. Là, on se fait plaisir. Bon, par contre, attention, niveau champignons, on n'est que 2 level 2. Ne nous reposons pas trop sur nos lauriers. Il faut faire du level 3. Ou un D plus 10. Je prends toujours celui-là à droite, là je prends celui-là à gauche. Oh. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. Voilà pourquoi je prends toujours celui-là à gauche directement. Ça part sur ça. Level 3 sur celui-là d'en bas. Je le loupe de 1, c'est pas grave. Alors lui en bas là, il faudrait vite le faire, mais bon. Par chance, je passe pas trop par là. Mon déchance fait que je saute ce champignon, mais bon. C'est pas si ouf que ça là. Il va falloir que je tombe dedans. Donc à partir d'un moment, je vais plus pouvoir. Voilà. Ok, 2 champignons level 3, on est très bien. Je pense que là, c'est pas strat de... Non, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Aïe. Là, surtout pas de déchance, hein. Surtout pas, hein, parce que là, on aurait eu 2 déchances. J'aurais pu aller sur ce dé-là. Là, un petit dé supplémentaire, ça fait plaisir. Faudra que je fasse gaffe, je peux pas trop me permettre de trop grider, là, avec... Aïe. Là, faudrait faire 2. Ouh, ça va. Oh non, là, déchance, là. Bon, là, on sait que maintenant, on va arriver direct level 3. Je vais me servir du dé là pour... bon, pas celui-là, parce que j'y arriverai pas. On en lance un peu ou on en lance pas un peu? Alors, on en lance un peu, on est fifou. Aujourd'hui, 4, c'est parti, je claque mes gemmes. En avant. Ok, alors là, là, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire le 6 ici. On va faire le 6.
faut que je fasse ça. Voilà, là on est au troisième niveau. Là on peut commencer à jouer. Nickel. Eh, c'est pas un beau départ ça pour une fois? Je pense qu'il est pas dégueu, hein. On est à 78. C'est pas mal, hein. Donc là, poupée vaudou, j'avais pas vu ça du tout. Donc j'imagine que, bah évidemment, ça sert à ça, hein. C'est vrai que maintenant, il colle tout le temps avec ça comme event, pardon. J'avais oublié. Bah écoute, parfait. Donc, écoute, événement assez fini. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Hop, campagne en avant. Parce que là, on galère de ouf. Donc, est-ce que mes artefacts sont bons? J'en sais rien. Je me dis, est-ce que niveau artefact, il faut que je mette les clochettes? Mais non, on n'est pas assez, là. Ça va être chaud. Est-ce que je me fais exploser? Déjà, on fait des dégâts. On n'en prend pas... On en prend pas mal. On en prend pas mal, hein. On a pris bien Bagdad, là. Hein. La petite Xie en bas, elle a dégusté. Hein. Sachant que c'est mon DPS. Hein. On est bon. Elle va tenir. Elle est pas gelée longtemps, en plus. Hein. C'est ça qui est bien. Hein. Nickel. Elle peut bien taper. Allez, ma petite Jara, fais-nous plaisir, là. Fais-nous un truc. Aïe. Je me suis fait exploser, les gars. C'est horrible. Oh là, comment tu veux que je fasse, quoi? Ça sert à rien de recommencer, en plus. Il n'y a rien qui va dans ce combat. Hein. Le truc, c'est que si les Jara me contrôlent, c'est mort. Si j'arrive à les tuer, il faudrait faire des ultis, en fait. Pour ça, il faudrait peut-être que mes artefacts soient mieux. Tu vois, là, si j'arrive à faire un petit ulti... Ah! On a perdu la caméra, les gars, mais elle est revenue, c'est parfait. Donc, je te dis, si on arrive à faire un petit ulti, et ça, c'est fait. On a tué une de Jara. On est que tour 2. Aïe. Voilà, le problème, c'est que j'ai plus de vie et eux, ils en ont plein, quoi. Alors, j'ai tué une personne, c'est déjà bien. Mais c'est pas suffisant, hein, clairement. Ah, c'est des monstres à tomber, hein. Les tics derrière, là. Et les Horus, j'en parle pas. Il y a trop de survie là-dedans. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, ouais. J'ai fait des dégâts, hein, mais pas assez. Hein. Clairement pas assez. Hein. Je le retente pour le kiff, hein. Je me dis, on sait jamais si ça peut passer, si j'arrive d'un coup à faire double kill. Ouais. Bah, tour 2, comme tout à l'heure, on va arriver à tuer. Même pas, on n'est même pas arrivé à la tuer, la Jara, là. Aïe. Bon, là, c'est mort. Hein. Si elle meurt pas direct, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En plus, elle se roule par-dessus, c'est... Oh. Non, tant pis. Ça ne passera pas pour l'instant. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Notre équipe va grandir et ça va le faire. Donc, je remets maintenant tous mes artefacts comme il faut. Parce que pour rappel, on était, hop, là-dedans. Pas d'évolution à faire. Il me... Ah, si. J'en ai eu des évolutions. Alors, attends. Hop, là, directement, ça part sur ça. Bah, écoute, nickel. Ah, c'est... Ah, bah, écoute, j'ai atteint le dernier niveau. Il faut le manoir niveau 4, d'accord. Donc, je pourrais largement le passer. Pas du tout. Là, on est bloqué. Ok. Là, on a eu un petit up avec la Vesa. On a gagné un peu des stats. Bim, je mets un petit pouce en l'air. Bon. Aucune autre évolution. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis obligé d'attendre la semaine prochaine pour faire des 10 étoiles et pour augmenter enfin ma Jara. Ça augmentera les stats de manière générale. Et pourquoi pas, bim, aller sur un autre Rogan. Ça pourrait être sympa. On était tout à l'heure... Enfin non, pas tout à l'heure, mais la semaine dernière. Ah, on avait passé, je crois, les 3 milliards. C'était 3 milliards, je sais plus. Bon, le combat, voilà, hein, il se fait, je me fais exploser. Pas les 3 milliards, si, 3 milliards. 3 milliards 4, voilà. On avait vu un beau petit up, mais pas toujours pas assez pour finir, donc c'est pas grave. Clairement, le niveau, il est assez haut. Mais on va finir par le passer, les gars, vous inquiétez pas. Au bout d'un moment, je vais y arriver. Elle aussi, on pourrait la monter. Déjà, on l'a montré E5, les stats ne seraient pas les mêmes. Et pareil après pour ma Vesa. Hein. Si on arriverait à faire un truc là-dedans, ce serait pas mal. Hein. Est-ce qu'on pourrait tester? Allez, on teste. Ok, j'ai les 20. Ok, j'ai les 20, ça ne me sert à rien pour l'instant, mais on a les 20, donc on a des stats en plus. Et ah oui, après, c'est des 10 étoiles. Ah ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, mais la semaine prochaine, on pourra peut-être le faire. Donc là, ma Vesa, elle n'a jamais été aussi forte en vrai. Mais bon, ça suffit pas. Hein. Ça suffit clairement pas. Ok. C'est dommage. Écoute, on va pas forcer plus que ça. Je me fais exploser. Allons plutôt se venger dans la tour du néant. Je me suis planté. Je suis profondeur 3. Je sais pas trop où vous êtes, vous. Disons que ça, j'arrive à le passer. Mais en haut, je galère. Hein. Attends, je vais te montrer. Donc là, on va... Alors, vu que c'est le début, je vais essayer, bim, de mettre les persos qui peuvent me faire gagner des bonus. En plus, ça commence très bien. Hein. Le 1 qui commence comme ça, on est content. Ah là 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 là. Ah, attends, mes artefacts sont peut-être pas très très bons. Ok. Bon, je sais pas si ça va faire la... Voilà, ça fait la diff quand même. Hein. Ok, nickel. Allez, on va essayer de monter ça tranquille. Je vais pas tout te montrer parce que comme tu vois, c'est assez rapide. Donc, on va directement se retrouver, bim, en haut de la tour. Ok, nickel. On est arrivé quasiment à la fin. J'ai juste enlevé un des persos.
Pour gagner du temps, peut-être que là, ça pourrait marcher. Même pas, tu vois, je galère un petit peu, donc... ouais. On va l'enlever. Bim, on met notre gun et ça ne passe pas. Allez, pas pour le dernier. Voilà, merci. Ne fais pas mentir. Donc là, par contre, c'est galère. C'est galère de ouf. Donc, bah, j'ai beau mettre, hop, l'équipe que je pense être la meilleure. C'est complicado. Voilà. Est-ce que formation prédéfinie, si on met ça... Non, ça marche toujours pas. On va revenir sur ça. J'en essaye d'autres au cas où. Mais ça passe pas, tu vois. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de farmer bah, les profondeurs 2 pour avoir ces bonus-là? Même si dans les autres, je gagne un peu moins de... Bah, je sais pas où c'est. De ça, là. J'en gagnerai moins, mais au moins, j'aurai toutes ces ressources-là qui sont pas... Alors, à part ça, hein, c'est ça qu'on va rechercher, surtout. Après, le reste, on s'en fout un peu. Mais ouais, tu vois, là, j'arrive à passer aucun truc. Donc, c'est moyen. Hein. Donc, je sais pas clairement ce que vous farmez, vous. Mais moi, sur ça, je suis pas très bon. Hein. Donc, les gars, écoutez, on s'arrête là. Event terminé. On a un peu tout vu. Bon, on s'est fait ridiculiser dans la campagne. On s'est fait aussi ridiculiser dans la Tour du Néant. Mais c'est pas trop, trop grave. On a eu, par chance, pim, notre première lettre, notre première C dans la lettre d'éveil. Donc, je suis assez content, par contre. Même si soin... Est-ce que c'est vraiment cool? Je sais pas. Mais je pense. Hein. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, les gars. Pour ce qui est de l'événement, bon, il était assez court. On a quand même de la chance sur le Diablotin. Je suis assez content. On va faire un bon score, ça, normalement. Donc, je vous souhaite autant voir plus de chance que moi. Passez un bon vendredi, passez un bon week-end. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les gars.